Vigile Plus cette semaine nous emmène dans Michée, chapitre 6, versets 6 à 8, pour conclure en beauté sur le thème de l'équité. Prenez vos Bibles avec moi. Michée, chapitre 6, versets 6 à 8, nous dit ce qui suit. « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu d'Israël? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Amen. Le texte de cette semaine nous emmène en réflexion. Qui est notre Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de lui ici? Est-ce un Dieu qui se plaît dans l'abondance des offrandes, qui nous demande de donner le maximum pour pouvoir être sûr d'être pardonné, ou encore au contraire, qui nous demande de nous réduire dans la misère la plus totale pour pouvoir être pardonné? Est-ce que c'est un Dieu qui offre le pardon ou qu'on doit payer pour obtenir le pardon? Le texte nous propose de voir notre Dieu comme un Dieu qui nous demande parfois simplement que le sacrifice de notre cœur. Ce que l'on peut donner, on le donne avec joie. Mais ce qui importe aux yeux de Dieu, c'est l'intérieur. Le verset 8 est puissant, t'a fait connaître aux hommes ce qui plaît à l'Éternel. La justice, la miséricorde, la bienveillance. Comme vous remarquez dans le texte, il ne s'agit jamais de ce que l'homme peut faire pour lui-même. Il s'agit de ce que l'on peut faire pour l'autre, ce que l'on peut être pour l'autre. Dans cette dynamique de montrer aux autres qui est Dieu. Encore une fois, cette notion revient. Si mon Dieu est un Dieu équitable, moi, je dois être équitable. Le texte nous dit au verset 8, la dernière phrase, « Et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Pour pouvoir nourrir l'équité dans notre cœur, nous devons entrer dans cette démarche d'humilité. Accepter que Dieu nous montre chez nous ce qui mérite d'être amélioré, corrigé, façonné, nourri, de façon à ce que nous puissions accepter. L'humilité, c'est cette démarche où on est prêt à entendre, on est prêt à se laisser diriger, guider, façonner. L'humilité, c'est cette disposition de l'esprit et du cœur et de la volonté pour laisser Dieu agir en nous. Ce passage, je l'espère, vous inspirera pendant cette semaine et amènera vos cœurs à devenir de véritables passeurs d'équité. Que Dieu vous bénisse, bonne réflexion et bonne semaine.